comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul. Ça fait super, 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 super longtemps puisque c'est vrai que dernièrement, je fais plutôt mes hauls sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, with Hasnabi. Donc comme le titre l'indique, ça sera un vide. Unboxing ou boxing? Bon, c'était pas prévu, Haroun il va m'aider. Tu vas m'aider Haroun? Yes? You help mommy? Ok, donc c'est vrai que pour Modaniza à chaque fois en fait je vous fais plutôt des lookbooks ou des tenues. Donc du coup vous ne voyez pas en fait le colis comment il arrive. Cette fois-ci je me suis dit allez, on va faire vraiment un vrai unboxing. Donc voilà, le colis arrive comme ça, Modaniza, il est arrivé assez rapidement. Ici à Singapour, vous recevez un peu à n'importe quelle heure les colis. Donc du coup, il est arrivé hier, je crois qu'il était 10h du soir. Non, non, c'est très long, c'est pas grave, ok. Ok, donc je ne sais même plus ce que j'ai choisi. Je sais plus. Alors, je pense que c'est une abaya. Donc cette marque ici, c'est la marque NUM. Ça s'écrit N-U-U-M. Je vous mettrai tout en barre d'informations. Donc ça, c'est une marque, je sais, à 200%, parce que je l'ai testé à maintes reprises, que la qualité est très bien. Donc, ils proposent des abayas, notamment de très belles abayas. Et donc, j'ai choisi une abaya. Vous savez, c'est le mois de Ramadan et j'aime bien porter des abayas pendant le mois de Ramadan. Donc, une abaya très simple. Le tissu, il est vraiment beau. Et alors, détail, c'est un tout petit détail de rien du tout. Vous avez donc ça ici au niveau de la manche, mais le tissu il est vraiment bien, c'est pas transparent, c'est fluide. Voilà, ça c'est une marque NUM, c'est une marque que j'ai testée il y a très longtemps et c'est vrai qu'il y a des marques, je ne crois même pas, en fait c'est une marque, mais il me semble que c'est une designer qui fait ça. Alors est-ce qu'on a, oh, voilà, tant qu'à faire, on va continuer avec NUM. J'ai ici cette robe, est-ce que c'est une robe ou une rabaya qui a l'air super belle? Il me semble qu'il y avait deux couleurs. Elle est hyper simple. En fait, c'est une robe tunique. Vous voyez la couleur, comment elle est jolie. Donc, c'est un peu satiné comme ça. Ce que j'aime bien, en fait, avec cette marque, c'est que, vous voyez, c'est toujours le fini et super beau. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Et voilà, le travail, il est propre, vous voyez bien. Donc, vous avez une petite ceinture avec. Donc, c'est une genre de longue tunique. Elle est vraiment super jolie. Et il me semble que, voilà, il me semble que je l'ai aussi en crème. Voilà, ça va. La mémoire me revient. parce que ça fait un petit moment, en fait, que j'ai... J'avais préparé la commande, je n'avais pas encore envoyé et j'avais aussi fait des petits changements et tout, mais là je me souviens qu'il y avait plusieurs couleurs et que j'hésitais vraiment entre c'est un genre de gris mais qui va un peu vers le bleu et cette couleur nude qui est juste trop trop belle. Franchement, vous voyez, elle est super jolie, vraiment super belle. Allez, on continue. Est-ce que j'ai encore un... Il me semble que j'ai encore une abaya de chez NUM. NUM, NUM, NUM. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Ok, je pense que celle-ci, ça vient de chez eux aussi. Oui, ça vient aussi de chez eux. Vraiment, je vous recommande. Alors, abayas, elles sont très belles. Oh, purée, dites-moi pas. J'ai pris les trois couleurs. Écoutez, j'ai pris les trois couleurs. J'ai pris les trois couleurs. Ça, c'est la version en noir. Vous voyez? Voilà. Ensuite, il me semble que j'ai pris... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une marque qui s'appelle Jacquard. Fatma Karakoulou. Evoque! Non, don't touch, Harold, don't touch! Evoque! C'est la première fois que je teste cette marque. Ah, voilà. C'est une longue robe. En fait, cette marque ici, pourquoi je l'ai choisie? Parce que je vous ai posté il y a quelques jours une photo sur Instagram où je portais un peu ce style de robe comme ça. Vous voyez, avec un genre de voilage noir avec des carreaux. Et vous avez été nombreuses à me demander d'où elle vient, d'où elle vient. Et c'est la même marque. Donc, vous voyez, c'est super joli. Moi, j'aime bien. C'est le genre de robe que j'aime bien avec une ceinture. Vous voyez, ça fait classe. Et pour terminer, une autre marque que j'aime énormément. J'ai beaucoup de vêtements de chez eux. C'est la marque Mia. M-I-H-A. Mia, il me semble que j'avais rencontré la designer lors d'une fashion week. Donc je vous disais, la dernière robe, c'est une robe super jolie qui se présente comme ça, vraiment super belle, qui est de la marque Mia avec vraiment des manches bouffantes. C'est vraiment une longue robe super belle, vraiment super belle pour l'été, le printemps, vraiment vraiment très belle. Et alors j'ai pris quelques foulards en soie.
J'ai beaucoup aimé cette partie ici. Donc je vous mettrai les liens en barre d'informations. Donc ils proposent des foulards. Et ce que j'ai bien aimé en fait, ce sont les motifs. La marque s'appelle Tocart. Et ils ont vraiment des motifs super sympas. Ce sont des foulards carrés, vous voyez, que vous pouvez mettre de différentes façons. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un autre aussi que vous trouvez original et coloré. Je vous montre celui-là. J'ai beaucoup aimé les fleurs, les motifs. Franchement, ils ont de super beaux foulards. Donc j'ai pris celui-ci. Vous voyez comment il est beau, ça fait très... Et ce genre de foulard, vous mettez ça avec une tenue très simple et ça fait très beau. Après, vous pouvez aussi utiliser ça comme écharpe. Vous pouvez mettre ça autour de votre sac. Franchement, ils sont super beaux. Donc voilà pour Modanisa, comment ça arrive. Donc vous voyez quand même que ça arrive un peu chiffonné, mais tout est toujours bien emballé et tout ça. Alors moi, en général, ça, je garde. Et les filles, elles utilisent ça pour dessiner. Les plastiques aussi, je récupère. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Donc pour voir les tenues portées, vous savez où me trouver, rendez-vous sur Instagram with Hasnabi, puisque je vous ferai des photos avec les différentes abayas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire celle que vous avez préférée. Je vous mets tous les liens en barre d'informations et vous avez toujours un code promo with Hasnabi pour 10% ou 15%, il me semble que c'est 15%, bref, à vérifier. Je vous mets ça en barre d'informations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.